Teonodari, une défaite dans cet acte 6 ici à Langnau, alors que Lausanne avait été arrivé avec des bonnes intentions. Une fois qu'on est mené au score, c'est toujours très difficile contre Langnau, qui a un système très serré. Comment vous avez vu ça? Oui, je pense qu'on n'a pas tellement bien commencé le premier tiers. Et on a pris deux goals tout de suite. Et après, comme tu as dit, c'est difficile de rentrer et marquer encore parce qu'eux, ils ont un bon système défensif. Quand même, on est arrivé 2-1, puis presque 3-2, mais après, à la fin, on a tout donné, mais c'était trop tard. Vous avez aussi eu Sandro Zurkirchen qui vous a gardé dans le match. L'autre gardien a fait des gros arrêts également. C'est dire que vous avez réussi à vous créer des occasions. C'est plutôt un bon signe pour le match 7 de samedi à Malais. Oui, les deux gardiens, ils ont très bien joué ce soir. Nous, on a créé des bonnes occasions. Et comme tu as dit, Chacho, il a fait un bon match incroyable ce soir. Mais c'est à nous de la mettre dedans. Alors, quand on a des occasions comme ça, ça veut dire qu'on doit marquer. Match 7 samedi, c'est à la vie, à la mort. Qu'est-ce qui sera le plus important au moment d'entrer sur la glace? Ouais, pour nous, le plus important, ce sera de commencer le match comme le deuxième et le troisième tiers, pas comme le premier, qu'on n'était pas là. Et on n'a pas fait des trucs qui normalement on fait et on a pris le goal tout de suite. Alors ça veut dire commencer tout de suite 100% parce que maintenant on est là. Si on perd, on est dehors. Si on gagne, on va continuer. Alors c'est tout dans notre main, quoi. Merci, Matteo.